Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur Deadside pour un petit épisode de Noël, puisqu'il y a une hommage spéciale Noël, comme sur beaucoup de jeux. Et donc, on va, pour l'occasion, se faire une mission et voir si on rencontre des bots Père Noël. J'en sais rien du tout, en fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller sur celle-là? Ah bah, d'autant que l'autre est inaboutie de toute façon. À moins qu'il y en ait une qui pop là, rapidement, on va voir, le temps que je prenne de l'eau, etc. J'aimerais bien faire celle qui est intérieur bâtiment. Et qui arrive souvent après celle du port. Si c'est le cas, si elle arrive, on est parti. Donc, ouais, prendre de l'eau. Balles et tout. Je pense que ça ira. C'est ces balles-là. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. J'avais encore du stuff de la dernière fois. Reprendre, par contre, des comme ça. Je sais pas pourquoi j'en ai autant. Mais là, ça m'en fait vraiment pas mal. Et puis après, on switch avec ça quand on est prêt. J'ai à boire, j'ai ça. Dis-moi que tu fais apparaître la mission que je voudrais toute proche. Ça le fait pas. Ah donc, let's go. Hein. On est parti. On est parti pour l'autre. Ça aurait été plus sympa une mission intérieure pour une fois. Dans un bâtiment, ça fait longtemps. Là, on a fait que des missions open, hein, comme ça, comme celle-là, là-bas, qui est compliquée. Hein. Ça va être chaud. Faut trouver le bon angle, hein. Une progression lente. Le soleil se lève en tout cas, c'est cool. Alors après j'ai cette lunette. Ah ouais, cette lunette là. Pas mal ça. Ça permet de voir très très loin quand même. On le laisse souffler un petit peu. Ok. Donc là on tire de très loin avec ça hein, quand même. Tellement loin que les gars ils voient pas. Lui, on voit pas sa tête. Il est caché par les sacs de sable. Là où il devrait y avoir quelqu'un aussi. Je l'aperçois pas. Je vais contourner un petit peu plus. Mais pas trop. Pour être vigilant, parce que les tours là c'est chaud. Ah ah ah! Attention, il y a un patrouilleur. Alors c'est bien là. J'ai dégagé celle-là, mais c'est chelou, j'arrive pas à voir sur l'autre. Et le soleil, ça m'aide pas, quoi. A priori, il n'y en a pas là. C'est bizarre, hein. Là-bas, il y en a un, ça y est, je le vois. Waouh, avec le soleil et tout, c'est trop chiant. Il est là, juste là, caché par des trucs et tout. Je pense que je l'ai eu. Non. Là, je l'ai eu. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Par contre, bizarre qu'il n'y en ait pas là. Tant mieux. On va pas se plaindre. On va contourner. Donc, normalement, il y a une autre tour où il doit y avoir un gars. Ouais, là on voit qu'il est mort parce qu'on voit cette ombre bizarre. Un petit bug ça. Alors là, faut faire gaffe ce chemin de ronde. Il peut y avoir des gars. On peut se faire éclater la gueule parce que là on est mal placé. Eh ouais, je l'avais dit.
Donc ce qu'on va faire, c'est remonter par là sans se faire repérer pour l'instant. Parce qu'ils vont remonter direct vers nous. C'est tendu, hein. Après, on avance incognito. Faudrait qu'eux se barrent loin. J'ai pas envie de les avoir dans le dos, en train de remonter là. Donc on va patienter légèrement. Actuellement, regardez, ils sont là-bas. C'est quand même une patrouille de 4. Ça dans le dos, ça fait mal, hein. Ouais, ça va, il s'éloigne bien. On est ok. Ici, il y a des gars juste là. Dommage que j'ai pas de grenade. Ah, il m'entend un petit peu. Ah ouais, ça y est. On voit comment ils réagissent en même temps, c'est marrant. Alors là, on voit personne. Ouf, raté. M'avoir sur le côté, je pense pas. Là-bas en bas. Ça a pas l'air de venir. Ah, ça contourne. Ok. Donc ça c'est bon. Ça a l'air d'être tout, ouais, ils sont positionnés un petit peu partout. On va faire gaffe qu'ils nous arrivent pas dans le dos. Hein. S'il fout lui. Ah. Ça c'est bon. Pour l'instant, ça a pas l'air d'arriver dans l'eau juste avant. Attention là sur le côté. Par là je vois rien. On va essayer de tirer de ce côté là maintenant. Qui me voit? Des fois, les tirs, on a du mal à discerner d'où ça vient. A priori, quelqu'un m'a vu, hein. Ah, il y a quelqu'un là. L'approche est délicate, hein, quand même. Peut-être sur la tourelle. Je pense que ça viendrait de la tourelle. Ouais, ok. Ah, il y a lui là-bas, quoi. Oh la vache, je suis dans la merde quand même.
Ça va être chaud. Je suis mal placé en réalité. On va attendre qu'il se calme. Essayer de l'avoir de là. Pour l'instant, il me regarde. Faudrait qu'il tourne le dos. Comme ceci, comme il est en train de faire. Ouais, et bien sûr, c'est pas terrible. L'angle de vue est mauvais. Je sens que ça va être long. Ok. J'entends marcher. Toi, t'avais... D'accord. On démonte. Pour l'instant, ça a l'air d'être tout. Ça n'arrive plus. Ils ont pu sortir à droite à gauche. Faut se méfier. Se méfier de derrière aussi. Et essayer de sniper l'autre là. Celui de la tour. Fallait se douter que la tour, ça allait être gênant. Progression, progression, vas-y. Pas à pas. Par là, j'aperçois personne. Je vois mal, hein, purée. Voilà, lui, c'est fait. Bon, pour l'instant, dur d'entrer là. Je pense. Ça risque de chauffer. Et je pense qu'il y a un dernier gars, voilà, là-bas au bout. Mais je pourrais pas l'avoir d'ici. Il y a un gars sur sa tour là-bas au bout. Allez, go. Ok. Ça c'est fait. Là-bas, il y a tout un attroupement de mecs. Bon là, on est mieux déjà parce que je suis plus à l'aise. Après, il faut que je me débarrasse du mec là-bas, là. Et ça commencera à être bien. On a un sur le fond aussi. Qui arrive. Ok. Bon, pour l'instant, de toute façon, je fais profil bas. J'attends que lui, là, qui arrive, tourne le dos. Je vais l'aligner. Après, je me fais le gars sur la tourelle. Et ça devrait commencer à être bon. Bon, c'est des tours, hein. Chaque fois, je dis tourelle, je sais pas pourquoi. C'est que sur les jeux, genre Command & Conquer, etc., on installait des tourelles, alors. Ça doit être à cause de ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te casses? Ça court là, qu'est-ce qu'il fout? Ah, il se casse pas. Il se casse même pas du tout. Je laisse venir. La vache, c'est les réflexes qu'ils ont, hein.
pense que ici on est bien maintenant. Là-bas, ça calcule pas. Alors, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à aligner l'autre qui est tout au bout. Mais je pourrais pas le faire accroupi. Voilà. Là, on est tranquille. Maintenant, il faut que j'essaie de viser ceux qui sont là-bas. De toute façon, ils patrouillent eux-mêmes tranquillement. Je les vois plus. Ils sont repartis. Ils bloquent la route. Moi, je prends mon temps parce que c'est dangereux, hein. Vous l'aurez compris. La méfiance est de mise. Mais là, je peux pas trop bouger, c'est ça qui est chiant. Il me faudrait quelqu'un sur qui je puisse tirer. Lui, il repart là-bas. Ok, là peut-être. Dommage de l'avoir raté. Purée, ils sont partis je ne sais où. Voilà, tu m'as vu. Je me fais voir, hein, parce que sinon, on en a pour 10 plombes. Allez, viens. J'en vois un planqué à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il bouge plus. Bon, on a quelques balles comme ça, un peu de fric. Ce qu'il me faudrait, c'est à boire, à manger, à boire, à manger, ça serait bien alors. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est avancer. Bon, pour l'instant, on voit personne de là. Si cette fois, on y allait. Genre ici. Voilà. Est-ce que des gens vont accourir pour leurs potes? Pas l'impression. Oh, et ce mec là-bas. Franchement, cette lunette est top, hein. Là, par contre, on est à la croisée des chemins dans un endroit dangereux. Et malheureusement, personne n'accourt. Il y a quelqu'un. Oh, il venait avec une arme lourde. Ah, cool, merci. Bon, vu que j'ai été vu. Ils vont tous venir, non? Non, ça se presse pas. On va essayer de tirer de là, alors.
Putain. Sortez de vos trous là. Arrêtez de vous planquer. Là-bas, il y en a un. Il saute. Et là, il y en a un. Ça y est, j'ai calculé. Bah oui, tire, allez, oui, ramène-toi. Ah, il viendra pas. Je sais que tu m'as vu. Avance. Voilà, quelques pas encore. Ça y est. Le gars planqué. Ah, tout seul, vaut mieux se planquer. Hein. Ça peut faire vite mal. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un proche encore. Je savais. Ah ouais, c'est toi. Bon là, on fait un joli petit tas de cadavres et je pense que ça nettoie bien. Ça nettoie très très bien. Ah, j'ai trop de balles. Hein. Ouais, prends pas ça, ça sert à rien. Bref, il est peut-être temps d'avancer. Voir ce que ça peut donner. Là, c'est rechargé. Là, non. On va check un petit coup. Là-bas, il y a un mec. Ok, cette fois, on l'a eu. Je pense que c'est toujours mieux de pas avoir des gars comme ça qui traînent un peu partout. On en voit deux qui courent là-bas. Quelqu'un m'a entendu tirer. Attention. Il y a un gars qui erre. Je me demande si là-bas derrière, là-haut, je l'ai fait. Ah, bah, je l'ai fait. Wow! Il était où lui? Ah, il est là. Ah, je suis presque mort. J'ai mal joué le coup, c'est de ma faute. Bon là ça commence à se vider tranquillement. Moi je vais reprendre des forces. Tranquillement aussi. Et on va se faire un peu de chiffon. Bon on voit pas de Père Noël, hein. Je vois pas ce que ça apporte là, à la mage pour l'instant. Ouais lui il s'est barré. Ok, tant mieux. Casse-toi. Oh, on n'avait pas fouillé ça, mais intéressant. Tiens, on va bouffer d'ailleurs. Et pourquoi pas boire un petit coup derrière? Voilà, parfait. Je refais du chiffon. Et puis on avance. Je pense que le temps que je fasse ça, je vais être à peu près pas trop mal. Surtout que ça monte bien là. On va aller vers l'autre bâtiment de l'autre côté maintenant.
J'espère que ça passe. Hein. Ok. J'attends vraiment d'être à fond. Ça me paraît plus logique. Et je pense les autres sont retournés patrouiller, mais plus au fond. Allez, 98. On va regarder. Ouf! Cet enfoiré. Allez, je suis revenu à 100. Viens. Ah, faut faire gaffe aux patrouilles, hein. Pourquoi tu te demandes où je suis, franchement? Encore quelqu'un. Y'a pas que lui. Ça, c'est des patrouilles. Ouais. Y'a encore quelqu'un, encore. Sûr. Ah, il est là. Oh, ça m'a frôlé. Bon, globalement, là, on a fait un beau petit nettoyage quand même. Est-ce qu'on atteint l'autre endroit? Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Rassure, il y en a là-bas. Ouais. J'ai raté. Il s'est retourné, il a rien fait. Il arrive. Voilà, je me montre, il va venir. Ils sont trois. J'entends quelqu'un d'autre. J'entends quelqu'un d'autre qui marche quelque part. À moins que ce soit mon pas en retard. J'ai un retard sur mon pas. C'est très bizarre. Putain, j'ai vu un gars là-bas. Hein. J'entendais quelqu'un. Je suis pas sûr que ce soit lui, hein, franchement. Tout ça tire. Ouais. Tirez-vous, s'il vous plaît. Là-bas. Ouais, c'est ça. Approche.
On en finisse. Ah oui, je suis là, je suis toujours là, j'ai pas changé d'endroit, qu'est-ce que tu crois? Il est pas venu, hein, cet enfoiré. Pas d'où il est. Des fois, il y a des trucs qui m'échappent là. Ah, d'accord. Putain, je suis nul. C'est nul ça. Il y en a un autre sur le haut là. Barre-toi! C'est peut-être des patrouilles, je sais pas. Je me soigne tranquillement ici. Ah mais il est même pas mort. J'y crois pas quoi. C'est quoi ce gars-là? Foiré, putain. Bon bah on se re-soigne, hein. Ok, je suis bien remonté. Presque à 90. Je pense que quand même, là, on touche au but. On va juste faire gaffe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas au fond? A priori là-dedans il n'y a personne. Là-bas au bout normalement il y a peut-être quelqu'un dans le bâtiment. Et là aussi je pense. Donc prudence. Ouais, je l'ai vu. Bâtiment là, je sais pas par contre. Pas l'impression. On va passer comme ça. Il y a quelqu'un là. Ok. Les autres gars sont là-dedans. C'est du bol, mec. Attention. Il y a quelqu'un dans un bâtiment. Purée! Forcément qu'il allait faire ça. D'accord.
Cool pour moi. Et l'autre qui garde la porte. Ok. Donc on se re-re-re-soigne. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Ah, l'autre est bloqué là. Est-ce qu'il est toujours bloqué à la porte? Y est plus. Ça commence à venir. On a les mêmes là. Ah, il y en a qu'un. Ok. Bon. Est-ce que ça remonte bien là? Je vais être à 100. On va pouvoir en finir. Je pense qu'il reste quelqu'un dans le bâtiment là-bas après. Et puis des gars sur des tourelles. Et quelqu'un dans un bâtiment. Celui-là probablement. Je vois pas d'autre. Attention. Putain. Je sais pas d'où ils viennent, hein, des fois. C'est chelou, hein. Et donc, on en était à vous. Sortez, chers amis. Sors pas, toi. Ok. Donc là, on a fait. Il y a un truc à voir. C'est par là. Et après, là-bas aussi, au bout. Oula. Là, il y a quelqu'un d'autre. On l'entend, mais on le voit pas. Je le vois pas. Est-ce qu'il est reparti par là? Ouais, a priori, je vois plus personne. Hein. C'était chelou ça. Je voyais plus personne sur les sacs de sable. Donc je vais aller vers la baraque qui est de l'autre côté. Il y a aussi des sacs de sable au bout. Et par contre, on va faire gaffe parce que je me demande qui c'était, si c'était un boot. Ou pas. Donc là, dans cette maison, normalement, il y a quelqu'un.
Ouais, c'est ça. C'était pas le dernier. Donc c'était peut-être celui qu'on a vu au bout, hein. Ok. Dans les personnes, ouais, c'est ça. Je regarde un petit peu. Bizarre. Bon bah écoutez, on a un gars paumé, on ne sait où, c'est embêtant. Donc faut tourner pour le trouver. Ah, c'est chiant ça. Écoutez, je ne trouve pas le dernier, je sais pas où il est. Peut-être là-dedans, au final. Dans ce bâtiment, je sais pas. Ah oui. Et voilà. Purée. Bon, on va voir ce qu'on a gagné du coup. Si la mage de Noël fait gagner des choses spéciales. J'imagine que oui quand même. Parce que là on n'a rien vu hein, sinon. Aucun élément de Noël dans cette vidéo pour l'instant. Voyons voir. Oh, puis il y a une clé juste à côté. Ah, R4, bah dis donc. On va laisser du bon stuff derrière nous, hein, je vous le dis. C'est moi, je sais pas, il n'y a rien de Noël hein, dedans, en tout cas. Hop, je prends tout ça. Bandage. Bon, celle-là est skinée, alors que celle-là, non. Je vais garder ces éléments-là. Pour fabriquer un truc de réparation. Et comme ça, je pourrais réparer ça. Puis à la limite, celui-là aussi, je le réparerai plus tard. Ouais, bouf. Bouf, bouf. Pas terrible, terrible. Ça, ça marche à quoi, Bertha? 9-19. Prenons ça. Ah! Blouson Gilly. Si j'empile tout, ça fait une place. Je vais le prendre quand même. Ah tiens, c'est marrant, j'avais ça. Ah oui, c'est un vrai pantalon militaire. Ok, pas de soucis. Et puis là-dedans... AKSM, ouais, ok. Ah, je peux réparer. Cool. Moi, du coup, je vais virer ça. Comme ça, on le voit. On sait qu'on aurait pu le prendre, mais... Mais on le prend pas. Parce que je préfère ces armes-là. Ok. Attends, tiens. Ça, je vais le prendre par contre. Eh ben, je recharge et puis j'y vais. C'est bon. Ah, recharge avec ta vraie arme. Voilà. Bon, voilà, mage de Noël. Qu'est-ce que ça apporte sinon? Bon, on lâche plus facilement des tokens. A priori. Mais à part ça, j'ai pas vu grand-chose. Hein. J'ai pas vu de Père Noël en tout cas. Il a pas été généreux avec moi. Je vais juste voir si je ressors en un seul morceau. Et puis, on va se quitter là. Voilà, petite vidéo sur la mage de Noël où on n'aura pas vu le Père Noël. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi. Et puis, je vous donne rendez-vous, je l'espère, pour la future grosse mage avec les hydroglisseurs et les nouvelles parties de map. Allez, salut !